problème de cheveux là. Moi, je me pose jamais la question. Mais tu remarqueras, il va falloir que tu me files des conseils. Enfin, moi, je me cherche François Civil en cours. Il y a un petit délire, il y a un petit délire en cours de chargement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mondes de Victor. Salut tout le monde, salut Rob 2, salut Victor, ça va bien ? Ça va, en forme ? Ah ouais, grave, trop content d'être là. Ben, on est ravis que tu sois avec nous, les Mondes de Victor, je t'explique, c'est l'endroit où on fait des mini-jeux avec les artistes Rob 2. Et le mini-jeu qu'on a choisi pour toi, c'est Multi Cool Heure. Allez. En rapport avec l'album, putain, c'est brainstorm. Vous l'avez ou pas à la maison ? Je te pose des questions, toujours en rapport avec la couleur. Ça me va. La couleur qui correspond le mieux à ton humeur aujourd'hui. Ah bah... J'aurais tendance à dire rouge pour Europe 2, c'est pas un placement de produit, mais vraiment rouge pour Europe 2. Si le rose était une personne de ton entourage, ce serait qui ? Le rose a un petit côté un peu fancy, je dirais Lena Mafouf, Lena Situation, c'est son petit côté Barbie. Ton prochain album, est-ce qu'il sera encore coloré ? Il sera, je pense, encore plus coloré. Non, noir et blanc, on arrête le concept. C'est un truc que je me suis dit à un moment, faudra que je lâche un album en noir et blanc. Quelle couleur pour toi ressemble le plus à un lundi matin 8h ? Je dirais le bleu, parce que c'est un peu le blues le lundi matin 8h. Vous me direz à quoi ça ressemble, ça fait longtemps que je n'ai pas connu un lundi matin 8h. Par contre, les dimanches matin 8h, je les connais tous par cœur, parce que je suis toujours en retour de tournée. Et ils sont comment ? Ils sont dans un train, au wagon bar avec un café. Quelle couleur sont les fringues de Julien Granel quand il va chercher le pain ? Tu sais, ce qui est fou, c'est que parfois mes tenues du quotidien, elles sont beaucoup plus hardcore que mes tenues sur scène. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis assez calme. Très stylé, enfin, le pantalon. Ce qui est drôle, c'est de se dire que là, je suis assez calme. La couleur, par contre, que tu détestes. Peut-être le marron, un peu foncé. Si tu devais choisir une couleur pour tes cheveux jusqu'à la fin de ta vie. Juste pour quelques mois, j'ai pas réussi à trancher, mais je dirais rose. Si tu devais choisir une couleur pour représenter ton style musical. Je t'accorde le multicolore sur celle-ci. Ouais, bah justement, ouais, si j'ai le droit de le placer une fois. Ouais, t'as le droit. Joker. En fait, je vais dire le multicolore parce que aussi, ma musique, c'est un mélange entre le côté organique de la pop, le groove et le côté plus club électronique. Si le violet était un super-héros, quel serait son pouvoir ? Là, les trois dernières, elles sont... C'est coton, là. Ouais, là, c'est ça coton. Ça commence à passer un niveau... attention. Je brainstorm, vite fait. Je reviens vers toi d'ici ouais, quelques minutes. Ouais, ça marche. Mets une musique d'ascenseur en attendant, okay. S'il te plaît. Le violet, attends, j'essaie d'imaginer. Ce serait un super-héros qui mettrait les gens à l'aise. C'est-à-dire qu'il arrive autour de toi, tu te sens mal. Il arrive, il claque des doigts. Oup, un canapé violet sur lequel tu peux t'allonger, faire une petite sieste. Voilà. Si le vert pouvait parler, quel genre de voix il aurait ? Il serait apaisé. Ah, mais un petit côté noble, hein, quand même. Oui, mais le vert, c'est un peu un arbre. C'est aussi la petite pelouse que je vois au loin. Il est mélancolique. Il regarde, il observe. Il est calme. Si ta moustache devait être colorée, c'est la seule qui reste un petit peu j'y ai pensé Julien Granel d'origine. De nombreuses quoi. Fois. Tu sais, des fois dans la vie, il y a une petite voix dans ta tête qu'il faut pas écouter en général. Qui dit tu des vois conneries. Une flaque, elle te dit de sauter dedans, tu vois. Ah, ça peut être la petite voix de l'enfance aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, la petite voix de l'enfance, elle revient un peu trop souvent, donc j'essaie de la calmer. Et là, ma petite voix, en ce moment, elle me dit tous les matins. Et si ta moustache devenait un arc-en-ciel. Oh. Ce qui, je pense, est terrible en entretien. S'il te plaît, ne me tente pas. Ok, on ne posera jamais cette question. Merci, on avait dit, les attachés de presse avaient dit, on pose surtout pas cette question, on n'évoque pas ce sujet, c'est abusé. Ok, bah je suis désolé, ça se termine mal. On va faire la promo ouais, quand même pour essayer. C'est bien parti. Ouais, vas-y, on peut essayer. Je rappelle, Julien Granel, t'as ton album Couleur qui est toujours disponible. Exactement. À quand le prochain ? Je suis en pleine préparation. Je vais revenir en avril à l'Élysée-Montmartre qui est déjà complet. Et vous pourrez me retrouver à l'Olympia, par exemple, en mai 2025. Merci beaucoup, Julien Granel. Merci beaucoup pour cette interview, c'était super. À bientôt. La voix de la couleur verte, Julien, c'était quoi la voix de la couleur verte ? C'était une voix très apaisée parce que j'ai dit que c'était un arbre qui prenait le temps de regarder les choses. Super réponse, elle est incroyable.